spécial, enfin différent de d'habitude, puisqu'on va vous faire un petit face cam comme ça. On vous a posé différentes questions, enfin non, vous nous avez posé différentes questions sur Instagram. Je vous montre qui on va entendre que ça. Et du coup voilà, on a fait une, on les a pas toutes, t'as pas tout noté, hein. Non, mais les principes. On a synthétisé parce qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient au même. Donc voilà, on va, voilà, il est temps. Ça fait un moment que vous avez promis cette foire aux questions, donc là voilà, ça y est, on va faire ça. Faut être indulgent parce que c'est une grande première. Alors première question, comment vous êtes-vous rencontrés? C'était en, oh, il y a longtemps, non, c'était il y a longtemps en fait. Ouais. On était ados en fait, on était ados quand on s'est rencontrés la première fois. Je devais être dans les 1997. Ouais. Sauf que moi je ne l'ai pas calculé en fait. Voilà, pas moi non plus. Hein. Non, ouais. Ça. J'étais en couple. En fin de compte, on était collègues de boulot. Ouais, voilà. Voilà, on était collègues de boulot avant. Quel week-end, hein, quel week-end, boulot, voilà. Ophélie fait des extras, moi j'étais traiteur, comme vous le savez à la base je suis charcutier traiteur et j'ai travaillé chez un traiteur. Ophélie faisait des extras le week-end là où je bossais et bah, c'est vrai qu'on a travaillé comme ça pendant un an et demi, on était collègues de boulot, voilà, on rigolait bien ensemble. Non, parce que j'ai pratiquement été deux ans et demi. En gros, moi j'étais célibataire et Ophélie était en couple. Depuis plusieurs années. Alors, du coup, voilà, on était collègues de boulot. Plusieurs années. Vieille. Et du coup, on était juste collègues de boulot, tout simplement. Et bah jusqu'au jour où j'ai été célibataire, voilà. Et mes yeux ils ont fait ch'ting. Et c'est ça en fait. Ouais, ouais. Bah on a eu, ouais, ça fait le déclic tout. C'est toi qui as fait le premier pas et ça fait. Quelqu'un très fidèle, donc je ne l'avais pas vu en fait. Donc voilà. Et puis oui, je me suis retrouvée. La vie a fait que je me suis retrouvée célibataire. Et puis on a continué à travailler ensemble. Ouais. Et puis ça a matché, voilà. Et puis les collègues s'en sont mêlés. Et puis voilà quoi. Et un soir, voilà. Tu... Et puis moi, quand ça fait jeding, bah, ça fait pas jeding qu'à moitié. Donc voilà. Voilà. Ouais. On a foncé, et puis voilà quoi. C'était une invitation au resto, enfin une invitation au cinéma. Et puis après. Avec voilà. Tes cousines. Avec il avait pas tout compris. Hein. Il a invité ses cousines. Ouais. et après, ouais, ça a fonctionné dès le premier soir. Voilà. Ouais. Tout simplement. Puis ça a été très, très, très vite. Très vite. Très rapide. Voilà. Et donc oui, donc et voilà, pour compléter la question, on est ensemble depuis mai 2000. Donc voilà. Ah oui, 2000 déjà. J'ai 80 ans parce que j'étais parti sur 97. Oui, 2000. Mais, enfin. Alors, autre question, avez-vous des contacts avec votre famille? Non. Non. Non, très peu, très très peu. Très très peu. On est brouillés tous les deux des deux côtés avec nos familles. Ouais. Pour des raisons très 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 compliquées, certains d'entre vous qui me suivent moi depuis les débuts savent, enfin ont su. Donc voilà, c'était très compliqué. On a des amis, on a des amis un peu de la famille éloignée qui sont très proches, voilà, malgré la distance. Et on a aussi de la famille à qui on parle très très peu, mais on n'est pas fâché avec eux. Ouais. Mais sinon, on a très peu de famille. Voilà. Et là, dans le Gers, on n'a pas du tout de famille. Les papis et les mamies, par exemple, il n'y en a pas. Donc, et pour rebondir sur une question qui n'a pas été mise, mais c'est pour ça qu'on n'a pas de... souvent, les gens disent qu'on est fatigué et tout, mais on n'a pas d'aide, en fait. Voilà. On fait tout seul. On s'en plaint pas, hein. C'est un choix de vie. C'est, voilà, hein. Mais oui, on n'a personne pour garder les enfants en dépannage. On n'a personne pour prendre le relais quand on est fatigué, voilà, donc non, on n'a pas de contact avec nos familles. Et on a toujours vécu comme ça. Et ça fait quelques années que c'est comme ça, et voilà. On s'en porte très bien. Et on s'en porte très bien. Alors, autre question, quels sont les prochains travaux? Il y en a tellement. Alors, la liste. Les prochains travaux, en urgence. Ou dans nos envies. Non, les prochains travaux concrets, les envies, on s'en fout. Bah oui, mais c'est par rapport à ce qu'on veut vite. Ouais, non, mais concret. Par exemple, le carrelage de la salle, c'était pas ce qui est le plus urgent. Oui, mais c'est ce qui en a besoin. Mais j'en ai très envie. Ouais. Suite aux travaux que vous avez certainement vus justement dans l'entrée au niveau du carrelage, on voudrait bien faire la continuité, en fin de compte, faire le salon et la cuisine, ça serait nickel quand même. La cuisine, c'est pas la. Enfin. C'est pas la pire des pièces, mais ça serait pas si, mal. C'est nécessaire, mais bon, après, la cuisine, comme on a d'autres idées de travaux d'ici 2-3 ans, voilà, il est tellement pourri le sol de la cuisine que... Le niveau entretien, c'est chiant, on perd du temps. Donc, dans l'ordre, on parle carrelage, hein, donc ça va être pièce de vie et après cuisine.
Autres travaux, on a encore Un des peu d'électricité. fenêtres, ouais, électricité, des fenêtres à changer aussi également. Il nous en reste 4, 5, 5 fenêtres à changer. On a deux encore en bas et trois en haut. Voilà, ouais, 5 fenêtres à changer et j'aimerais bien qu'on fasse aussi pour cet été décaper tous les volets et les repeindre. Ça, c'est voilà, un Ça, je petit peux le faire travaux, entre mais c'est un petit deux. truc entre deux, mais bon, ça, quand même, ça demande quand même du temps. Ouais. Et au niveau travaux, voilà, pour l'instant, en priorité, c'est à peu près tout. Comme on a d'autres projets aussi, et voilà, on verra le temps qu'on aura. On verra. Donc voilà. Alors, autre question. Teddy, que fais-tu comme travail? Je suis employé agricole dans une ferme juste à côté qui fait de la vente directe et je travaille au niveau conserverie, à la conserverie. Je l'emmerde à moitié. Non, mais non, bah moi je sais Je ce que tu fais. Hein. Voilà, je travaille voilà, à la conserverie. Bah, j'ai repris entre guillemets mon métier de base qui est charcutier. Qui est Un charcutier. dérivé, ouais, Ah, voilà, un dérivé, voilà, tout simplement. Autre question, combien avez-vous d'animaux? Alors, on heureusement a qu'on s'est réfréné. ouais, 2 chèvres, un bouc, et vous avez vu depuis quelques temps qu'on a trois petits Des chevrettes, bébés, que du ça coup, doit être des après, a chevrettes. priori, c'est que des femelles, donc trois Voilà, a chevrettes. priori, c'est 3 chevrettes en plus. Alors, en tout, ça fait au niveau des chèvres, ça en fait 6. On a une oie, Des poules pondeuses, on a combien des poules pondeuses? Une 12, douzaine, je ouais, crois, une ouais. douzaine, Des poulets, il nous en reste combien? Des poulets de 2, consommation, je précise. ouais, 2. Deux poulets, un coq. Un coq, non, deux coqs. Ah non, il y a un poulet qui se Voilà, transforme en ouais. coq. Alors, deux poulets, un coq, deux pintades qui restent en Voilà. consommation aussi. Et Georgette, l'oie. Et Loua Georgette, ouais, notre mascotte. Et après, on a un chien. Un chien, un chat officiel. Deux chats d'adoption, Deux mais qu'on peut squatteurs. pas. Deux squatters, mais adorables, mais. Deux Enfin, squatteurs. adorables, je sais pas, hein, mais on peut pas. Voilà, 1 mètre. C'est 1 mètre la tolérance. Ils veulent pas. Ils viennent juste pour manger, quoi. Ils sont arrivés à la maison du jour au lendemain, tout petit, tout riquiqui. Je pense que le sevrage n'était même pas fini. Et ils n'ont jamais quitté les parages. Donc voilà. Mais on ne peut pas les approcher, c'est des chats sauvages. Donc voilà. Et c'est tout Et c'est pour deux matous. et c'est deux matous et c'est Et tout c'est tout. tout pour le moment. Pour le moment. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Alors, autre question, où en sont vos projets touristiques? Ouf, la question du moment. Déjà, qu'est-ce qu'on vous dit et qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? Parce qu'on ne veut pas trop vous en dire non plus. Pour l'instant, c'est en stand-by. Non. Oui, c'est en stand-by les projets touristiques parce qu'on est sur des nouveaux projets qui vont Toujours être touristique, toujours touristique, mais peut-être autre, mais peut-être pas. Voilà. Alors, en fin de compte, on aille à la banque déjà. voilà, ouais, on a rendez-vous. Non, là, on a pris rendez-vous avec un professionnel justement pour voir un petit peu ce qu'on peut Au niveau faire financement, pour au niveau parler clairement. financement. Et voilà, on ne sait pas pour l'instant. Voilà, il y aura projet touristique, ça c'est sûr. Après, Le quoi, lieu, où, voilà, comment? c'est ça. Voilà, il faut continuer à nous suivre Mais il y en aura un. mais il y en aura un Ah, voilà. sûr. Mais pour l'instant, voilà, c'est pour ça que je dis en stand-by, mais Il faut voilà, aussi on cherche. que, bah voilà, que ça soit rentable parce que ce serait une activité à plein temps. Voilà, donc on a plein de calculs à faire. C'est pas, voilà, c'est pas une démarche qu'on peut faire comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il enfin, il faut. Ça soit pour 2020, mais ouais, voilà, Oui, ça se fait ça pas sera du dans jour au les lendemain. tuyaux, mais voilà, on va voir un petit Voilà. peu comment ça se Et du passe. coup, tu peux rebondir sur une autre question que tu avais eue. Alors, autre question, quels sont les projets que vous allez prioriser suite au burn-out d'Ophélie? Les projets qu'on va prioriser? Bah, déjà, le projet touristique, parce que ça, moi, ça me tient à cœur. Quand on a acheté la maison, c'était déjà le cas, c'était déjà prévu Ouais, comme ça. c'était déjà prévu. Donc on a acheté il y a 2 ans, donc voilà, c'était ça, c'était dans les tiroirs. Après, ce qu'on avait priorisé d'autres, non, on n'a pas tellement priorisé, mais il y a des choses qui ont changé, des prises de conscience aussi, notamment par rapport à la chaîne YouTube. Comme vous le voyez, on fait plus de, comme vous le savez, on fait plus de vidéos tous les jours parce que honnêtement, j'ai pas le temps en fait. Par rapport à notre mode de vie zéro déchet. Quand je dis notre mode de vie, donc voilà, c'est le zéro déchet, c'est le jardin, c'est tout le fait maison, c'est surtout aussi nos 6 enfants. Hein, on a 6 quand même. Donc voilà, par rapport à tout ça, par rapport au fait aussi que on n'a pas que la chaîne YouTube, on a aussi et surtout un blog avec des articles à écrire, soit à ma convenance ou soit parce qu'on me les demande. Donc ça me prend énormément de temps. Et comme je suis perfectionniste, trop.
Ça me prend la blinde de temps, donc voilà. Bref, tout ça mélangé fait que on va prioriser surtout nos réseaux existants depuis quelques années. YouTube, je crois qu'on va, pas le remettre en retrait, mais on va le consacrer essentiellement aux vidéos comme celle-ci, ou tout ce qui est tuto, etc. Mais je crois que les vlogs, ça va plus être la priorité du tout. Moi, perso, j'ai laissé un petit peu tomber Insta, donc ça serait bien de le reprendre, parce qu'on a pas mal d'abonnés. Facebook, je me bats aussi, mais c'est compliqué avec Facebook, hein, toutes les blogueuses pourraient vous le dire. Donc voilà, on a beau faire tous les efforts du monde, ça complique, faut payer quoi, la publicité, donc voilà. Bref. Justement, on va parler du zéro déchet. Comment avez-vous commencé le presque zéro déchet et quelles ont été vos premières démarches? Quand on a démarré le zéro déchet, c'était en 2017. Tout simplement par le biais de Monica qui a écrit le livre Le zéro déchet facile. Monica tenait aussi un blog famille à l'époque, je crois qu'elle l'a toujours hein, d'ailleurs, nos chers mini-nous. Et du coup, comme elle a écrit son livre, j'étais amenée à découvrir le zéro déchet par son biais, en découvrant d'ailleurs qu'on en faisait un petit peu déjà à l'époque, hein, parce que le fait maison, on en faisait déjà une partie. Et j'ai plongé dedans comme ça et j'ai embarqué tout le monde en fait. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis dans le zéro déchet. Et le zéro déchet a engendré tout le reste. Donc le qui dit zéro déchet dit tout fait maison, permaculture, enfin voilà, c'est une globalité, c'est un mode de vie. Hein. Le zéro déchet, c'est pas un effet de mode, c'est un mode de vie. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà. Ah, ceux qui prennent ça pour un effet de mode, c'est ceux qui font... C'est pas juste un hashtag, hein, zéro déchet. Hein. Qui font tout d'un coup et qui arrêtent aussi tout d'un coup. Nous, c'est vrai qu'on l'a vraiment intégré au fur et à mesure dans notre vie, quoi. Le début du zéro déchet, en fin de compte, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'au début, on faisait quand même 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Oh, puis moi, j'étais extrême. Moi, j'étais extrême. C'est pour ça que ça prend du temps, ça se fait au fur et à mesure et voilà quoi. Puis il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est beaucoup, c'est beaucoup de changements. Hein. C'est un mode de vie. C'est un vrai mode de vie, donc ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que, voilà, comme je vous dis toujours, c'est un pas après l'autre. Moi, j'ai fait des bêtises au début. J'ai pas été sympa avec eux. Donc, voilà, c'est pour ça que maintenant je peux me permettre de vous dire faites pas ci, faites pas ça, voilà, sans vous donner de leçons, hein, mais voilà, quand je me permets de vous donner des conseils, voilà, souvent je vous dis allez-y tranquillement, et souvent les gens me disent oui mais moi nous on en est souvent ce qui revient, hein, on n'en est pas à votre niveau, il n'y a pas de niveau en zéro déchet, c'est chacun, hein, chacun son... on fait chacun en notre âme et conscience, avec nos possibilités, avec nos moyens, le but c'est que ça se démocratise le plus possible. Si vous achetez votre vrac en supermarché, et bah, c'est déjà pas mal quoi, c'est du vrac. Moi personnellement en ce moment, voilà, nos finances on fait gaffe, et bah, on achète notre vrac en supermarché en partie, donc voilà, parce qu'on ne peut pas spécialement faire en boutique spécialisée bio tout le temps, c'est pas possible. Donc après voilà, le but c'est que ça se démocratise le plus possible. Et puis il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte ou que ça soit une corvée en tout temps, parce qu'autrement on lâche. Ouais. Autrement on lâche. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Avez-vous un planning organisation pour les tâches ménagères? Oui. Alors oui, pas pour nous. Tu veux que j'aille chercher? Non. Oui, mais pas pour nous. Pour les enfants. Bah non, nous on ne se met pas de planning, on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire. Après oui, on a un planning au niveau des enfants. Ouais, qu'on a depuis... Bah, depuis pratiquement le début. Depuis le début quoi? Non, pas depuis son nez. Non, non, depuis le début du zéro déchet, je crois qu'on l'avait mis en place. Bah non, on l'avait bien avant, bien. Les enfants ont toujours fait les tâches ménagères. Oui, bien, oui. Si, en fin de compte, c'est notre principe d'éducation qui est comme ça, tout simplement. C'est pas... Voilà, là, ça n'a rien à voir avec le zéro déchet, c'est notre principe d'éducation, les enfants. Et ça n'a rien à voir aussi avec la famille nombreuse. Non, non plus. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est bien précisé. Ouais, ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants. Hein. On n'en aurait que 2 ou 3, ça aurait été exactement pareil pour nous, les enfants. Doivent participer aux tâches ménagères, à la vie de la maison. On n'a rien sans rien dans la vie. Alors encore une fois, c'est notre principe à nous. Après, les autres, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, donc nous, oui, les enfants ont un planning de tâches ménagères, la vider de la vaisselle. Mettre la table. Faire le gâteau pour le goûter et le petit déjeuner. Ouais, passer l'aspirateur après chaque repas. Nettoyer la table. Nettoyer la table juste avant. Vider de la vaisselle. Sortir les chèvres. Le linge, non, on l'avait mis. Non, on l'avait retiré. On l'avait mis à une époque, puis on l'avait retiré. Ouais, parce que par rapport aux devoirs, par rapport à leur planning à eux, au niveau de l'école. Les grands, surtout pour les ados. Voilà. On voulait pas non plus que ça soit trop chargé. Donc on a diminué un petit peu, mais c'est à peu près tout. Alors, sachant qu'après, ils sont pas là, évidemment, on fait à leur place.
Je précise quand même. Oui, parce que le lave-vaisselle. On n'attend pas deux jours hein, voilà. Pour vider le lave-vaisselle. Si le lave-vaisselle, il est plein le matin à 9h, qu'il est déjà lavé, on ne va pas attendre le soir voilà, à 8h40. Je le fais le matin juste après le petit-déj, je vide le lave-vaisselle. Voilà. Mais non, autrement, les enfants, c'est notre principe d'éducation et bah, je trouve ça tout à fait normal que les enfants mettent la table de leur moment. À quand le retour des vidéos tous les jours? Bah, comme on vous a répondu tout à l'heure. Never. Malheureusement, jamais. Non. Malheureusement, jamais. D'autres arrivent à le faire. Moi, personnellement, j'y arriverai pas. En tout état de conscience, par rapport à justement, encore une fois, par rapport à notre mode de vie, par rapport au fait qu'on a 6 enfants, par rapport au fait que on a personne pour nous prendre des enfants, prendre la relève pour s'occuper d'eux, pour dire se concentrer à fond sur le boulot. L'envie parce que, aussi. Vloguer pour vloguer. Moi, c'est pas mon truc. Après, d'autres le font très très bien d'ailleurs. Mais voilà, nous, c'est pas. Voilà. Et encore une fois, on n'est pas que youtubeurs. Donc, on a notre blog aussi, on a d'autres réseaux. Teddy, il a un métier à côté. Moi, je suis maman à plein temps. Hein, voilà. Parce que travailler de la maison, c'est pas toujours évident pour celles qui travaillent depuis la maison. Donc, c'est pas évident de tout concilier. Mais voilà. Donc, non, malheureusement, les vidéos tous les jours, non, ça reviendra pas. Vos indispensables en zéro déchet dans la salle de bain et la cuisine, et où les trouvez-vous? Alors, les indispensables ZD, dans la salle de bain, déjà les lingettes lavables. Ça, c'est le premier truc à avoir, en fait. Le savon. Enfin, est-ce qu'on considère que c'est les salles de bain aussi? Oui, bah oui. Ouais. Lingettes lavables, lingettes démaquillantes. Voilà, ouais, tout ce qui est, tout ce qui est démaquillage, voilà. Donc, tout ce qui est lingettes lavables. Le dentifrice, alors moi je fabrique notre dentifrice, mais vous pouvez trouver, vous pouvez en trouver très bien sur internet ou en boutique bio. Alors moi personnellement, nous en boutique bio on le trouve pas en solide, mais on le trouve en poudre. C'est un petit récipient de sel, donc un petit récipient en carton. Ouais. Donc c'est pas totalement zéro déchet parce que c'est en carton avec un petit couvercle en plastique. Il y a certaines boutiques bio aussi qui le vendent en petit. En petite boîte métal plate, voilà, pareil en poudre aussi. Après, voilà, ça dépend des régions, ça dépend des magasins. Nous, on le fait nous-mêmes. Mais quand on n'a pas le temps, oui, ça m'arrive de l'acheter en poudre. Après, c'est pas de gel douche, pas de savon, c'est tout en solide. C'est tout en solide, donc savon solide, et c'est très bien. On en trouve en boutique bio, on peut les faire aussi, ou sinon sur le marché. Il y a de plus en plus de savonniers qui vendent leurs produits. Brosse à dents. Brosse à dents, ouais, en bambou ou éventuellement en plastique recyclé. Nous, on prend en bambou. Des coton-tiges. Coton-tiges. Hein. Il y a deux équipes à la maison. Il y a les coton-tiges. Hein, voilà. Teddy n'est pas trop pour. Moi, j'utilise un cure-oreille. Donc, c'est un petit, c'est une petite tige en métal voilà, que vous mettez à l'intérieur de l'oreille. Pour curer l'intérieur. C'est à la pharmacie, vous en trouvez. Voilà, ça coûte, je crois que c'est 3 ou 4 euros, donc ça, c'est utilisable à vie. Hein. Il y a aussi les auriculis. Hein. Les auriculis, c'est des bâtonnets avec une tige pointue. Nous, on a testé. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour, parce que je trouve ça dangereux avec des enfants. Même si les enfants ne le font pas spécialement eux-mêmes et tout, mais je ne sais pas. J'ai un blocage là-dessus, donc voilà, mais vous en trouvez facilement aussi. Et sinon, oui, on a une autre équipe à la maison, celle de Teddy, qui utilise des cotons-tiges en coton bio. Et la tige, elle est en coton aussi, en fait. Hein, donc carton. Tout est bio. Est biodégradable. Donc voilà, Teddy, il n'arrive pas avec. Il n'est pas 100% zéro déchet à ce niveau-là, mais voilà, après, tout le monde a ses limites. Donc voilà, ça, c'est des petits compromis qu'on peut être amené à faire. Donc voilà. Et au niveau cuisine, tout simplement, pour laver la vaisselle, savon de Marseille. Et la vaisselle, on utilise la poudre coffee, Des tabouchi en guise d'éponge ou des vieilles serviettes éponge. Ou des vieilles serviettes découpées. Mmh. La petite brosse interchangeable, et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà. Et dernière question, où en est votre tournage que vous avez effectué récemment? Alors, le tout dernier, il est dans les tuyaux. on ne sait pas. Voilà, on a fini de tourner. Oui, on a fini officiellement de tourner. Ça s'est fait sur plusieurs mois, plusieurs sessions de tournage. Après, la diffusion était prévue initialement de ce qui nous avait été dit à nous au 21 janvier. À partir du 21 janvier, mais sauf que... Voilà,
Il y a pas... Et maintenant, il n'y a plus de date, en fait. Donc, ça sera pour 2020, mais peut-être que vous l'aurez au printemps, ou peut-être que vous l'aurez qu'à l'automne, ou peut-être à Noël prochain, je ne sais pas. Donc, voilà, nous-mêmes, on ne sait pas. Ne nous posez pas les questions, nous-mêmes, on ne sait pas. Et bah, la société de production aussi. Non plus, ne sait pas. Ne sait pas. Voilà, c'est mis. C'est et la chaîne, ne sait pas non plus. La parce chaîne... que c'est très haut que ça se voilà. décide, donc voilà. La chaîne a le. Les images, mais... Et le montage et tout, mais après, ils ne savent pas la date de diffusion, donc évidemment, on vous dira... Mais nous, on attend. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, mais n'hésitez pas à les poster en commentaire. On fera ça la prochaine fois. On n'en fera pas trop souvent non plus, hein, mais voilà. Sinon, de toute façon, au pire des cas, en ce cas-là, on les pose directement sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Insta que je vous remets en bas, comme ça, ce sera plus facile pour nous suivre au quotidien. D'accord, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette fois en question vous aura plu. Grande première. Ouais, grande première. Bon, vous direz si ça vous a plu. Comme de pouvoir, on n'était pas super à l'aise non plus être comme ça figé, mais. Parce que là, mais j'aime pas. Enfin, ça fait moins naturel. Ouais, c'est moins naturel. Mais bon, j'espère qu'au moins on a répondu à vos questions. Prochaine fois, on se mettra dans le canapé. Ouais, ou dehors. Ouais, il fera beau. Ouais. Là, ouais. On verra. En ce moment, il chapeau. Donc voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis on vous dit à bientôt. Salut, ciao, salut. Ciao.